La suite de cette édition, le ministre de l'Irrigation, de la Production et des Équipements Agricoles, Assaïd Gamare Silek, a effectué une visite ce dimanche à Mandelia. Il est allé encourager les opérateurs économiques qui accompagnent le gouvernement dans le domaine de l'élevage. Amadé Abbas. L'État traverse une crise financière, mais passagère, afin de permettre au pays de relever le défi du développement. En avant-garde de cette bataille, le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui ne cesse de rappeler les hommes d'affaires tchadiens de se mettre résolument au travail pour développer le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Pour répondre à l'appel du chef de l'État, certains opérateurs économiques sont déjà sur le terrain de réalisation. À l'entrée de la ville de Mandalia pousse une grande ferme de volailles, une initiative d'un opérateur économique tchadien. Pour s'imprégner de la réalité de cet investissement, le ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Assaïd Gamare Silek, accompagné du président du groupe parlementaire MPS, s'est rendu sur le lieu où se développe une activité qui est déjà rentable. Cette ferme dispose des installations techniques répondant aux normes internationales. 44 000 cages pour le poule pondeuse, une unité de chaîne de production de œufs et un système de ventilation pour l'ensemble du bâtiment. Le ministre apprécie les réalisations. Je sais que le groupe Wadi Koundi intervient déjà dans le secteur de l'agriculture, dans la production agricole à proprement parler, dans la zone du lac. Ils sont encore à leur début. Et je découvre maintenant qu'ils travaillent aussi dans la volaille, dans la production des œufs là actuellement ici. Et donc je suis ravi de constater qu'il y a des entrepreneurs qui prennent de ces risques, mais je suis sûr qu'ils vont en tirer d'énormes profits. Des profits pour notre pays aussi. Dans la mesure où le jour où nous allons cesser d'importer des œufs, c'est des économies que nous faisons pour notre pays. Je suis amer parce que j'aurais aimé voir 3, 4, 10 hommes d'affaires déjà en train de faire la même chose. Donc je suppose que Wadi Koundi va servir d'exemple et ça va être la locomotive qui va tirer nos hommes d'affaires à investir comme ce groupe-là dans le monde rural. Pour le président du groupe parlementaire MPS, cette réalisation cadre parfaitement avec les orientations données par le chef de l'État. L'agriculture et l'élevage, comme a prôné le chef de l'État, le pétrole est un produit tarissable. Mais nous avons au Tchad tous les atouts pour que nos opérateurs économiques, au lieu de produire dans d'autres secteurs, de produire dans les secteurs d'élevage et agriculture, et avec cette production, nous allons faire une autosuffisance alimentaire. L'initiative qui a été prise par le chef de l'État nous a beaucoup plu et nous, on est venus pour encourager et en même temps demander, faire un appel à tous nos opérateurs économiques et des personnes de bonne volonté d'investir dans ces deux secteurs. Grâce à ces investissements, la ferme de Mandalia contribue d'une part à la lutte contre le chômage, car les employés sont des nationaux et d'autre part s'inscrit parfaitement dans le cadre du programme national de développement. Le séminaire d'information et de sensibilisation des commissaires en douane transitaire et agents de la Direction générale des douanes sur le thème « Le régime du transit, la fraude douanière » organisé par le syndicat des commissaires en douane et transitaire du Tchad, SICODAT, s'est achevé ce week-end, axé sur les dispositions périodiques, les textes réglementaires, la profession du transit et ses limites a permis aux participants de mener à bien leurs activités avec professionnalisme. Les commissaires en douane agréés, les transitaires, les transporteurs et les agents de la Direction générale des douanes et droits indirects aborderont désormais leur activité avec professionnalisme. Pour cause, ils viennent de bénéficier d'une session de renforcement des capacités sur le régime de transit, la fraude douanière et ses conséquences qui leur a permis de passer au pain fin les dispositions juridiques, les textes qui réglementent leur profession et fixent ses limites. Tel séminaire avec des sujets différents, ça nous permet de renforcer nos capacités ainsi que la capacité de la douane. La directrice générale adjointe des douanes et droits indirects se réjouit de cette initiative du SICODAT qui contribue à l'assainissement de la profession des transitaires et commissaires en douane. Les recommandations issues de ces travaux sont là pour témoigner du sérieux travail durant ce laps de temps.
Soyez rassurés que celles-ci seront fidèlement transmises à qui de droit. Nous espérons que l'exemple du SICODAT sera suivi par d'autres partenaires. À l'issue de cette rencontre d'échange et de réflexion, les participants recommandent l'application de la valeur transactionnelle en matière de transit, l'application stricte pour tous de la réglementation en matière de douane, l'affectation des agents compétents des douanes dans les bureaux, l'assainissement de la profession des commissaires en douane. Aussi, qu'il soit créé une entité au port de Douala pour faciliter